Robinson The Journey est l'une des nombreuses exclusivités temporaires PlayStation VR signée par Sony. Ce jeu raconte l'histoire d'un jeune garçon prénommé Robin, dont le vaisseau vient de s'échouer sur une mystérieuse planète. Le titre fait naturellement écho à un certain Crusoe, mais le jeu de Crytek se veut différent du roman de Daniel Defoe. Le studio allemand a en effet décidé de miser sur la science-fiction, et même les dinosaures, avec ce titre. Nous avions une grande liberté créative et nous voulions créer la meilleure expérience possible en réalité virtuelle. Nous nous sommes alors demandé ce que nous pouvions faire. Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est « Oh, des dinosaures! Ce serait cool, non ?» Et nous avons donc choisi les dinosaures. Et en parallèle, nous regardions l'exploration du rover sur Mars. Ces deux choses se sont alors parfaitement imbriquées. Dans Robinson The Journey, le joueur ne sera pas vraiment seul sur la planète Tizen 3. Il pourra en effet compter sur Higgs, une intelligence artificielle au rôle multiple qui devra néanmoins, avant tout, guider le joueur. Finalement, quand nous étions sûrs de vouloir raconter l'histoire de Robinson, nous avons créé le personnage de Higgs. C'est lui qui vous accompagne dans le jeu et agit comme un narrateur. Cela crée alors des situations très intéressantes et un lien émotionnel peut même se former entre Robin et Higgs. Le titre de Crytek n'est pas un simple jeu contemplatif où les dinosaures surgissent de temps en temps. Robinson The Journey repose sur plusieurs éléments de gameplay et se vit naturellement à la première personne, comme Far Cry et Crysis, d'anciennes productions du studio allemand. C'est un jeu qui suit une histoire avec des éléments d'aventure, des éléments de survie, et il est également question de résolution d'énigmes. Bien sûr, le joueur devra aussi faire des choix. En réalité, le jeu a un aspect bac à sable. L'histoire est linéaire, vous pouvez suivre en quelque sorte les instructions et vous diriger là où on vous guide. Mais vous pouvez aussi librement explorer d'autres environnements. Et quand vous arrivez à la fin du jeu, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire.